le Seigneur, bonjour. C'est encore une joie pour nous de nous retrouver ce dimanche devant vous, dans vos maisons, afin de vous transmettre la pensée de l'Éternel. Ce privilège que le Seigneur nous accorde, nous le recevons avec joie, non comme une charge, mais plutôt comme un insigne honneur d'être sa bouche. Et nous pensons qu'en ce dimanche, le Seigneur nous sera favorable. Et notre intelligence sera renouvelée à travers les Écritures. J'ai commencé depuis un moment un enseignement sur la mission avec Dieu, ou la marche avec Dieu. Lorsque Dieu nous appelle, il nous appelle à un but. Mais il y a des choses qui nous accompagnent dans ce parcours que nous devons affronter. Et pour mieux affronter certaines choses, au préalable, nous devons avoir une connaissance de ce que nous allons rencontrer. Aujourd'hui, je parlerai d'un grand thème sur lequel j'avais commencé, mais je m'étais arrêté. J'y rentre encore, c'est la délivrance. Nous allons étudier en quoi consiste la délivrance. Nous allons étudier quels sont les processus par lesquels nous devons passer avec le Seigneur, afin que nous puissions être affranchis. La Bible dit, « Si le Fils de l'homme vous affranchit, vous serez réellement libres. » Ce qui suppose par analogie qu'il y a des gens qui ne sont pas affranchis et qu'il y a des gens qui ne sont pas libres. Mais aujourd'hui, avant d'aller en profondeur, j'aimerais que nous puissions lire un passage qui sera une lanterne à travers les enseignements que nous allons recevoir. Il est dans Jean chapitre 10, verset 10. Nous lisons au nom précieux de Jésus-Christ. « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ce passage nous parle des trois missions de Satan. Égorger, piller et détruire. Mais Jésus-Christ envoie une incise vers la fin. Il dit, « Je suis venu afin que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. » Bien-aimé dans les Seigneurs, que Dieu te bénisse. Quand le diable entre dans la vie de quelqu'un, son objectif principal est de le réduire à zéro. Notre vie est une lutte continuelle avec un ennemi que nous ne voyons pas. Pour mieux le combattre, nous devons connaître ses méthodes. Nous devons connaître ses subterfuges. Nous devons connaître les différents stratagèmes qu'il emploie dans le combat, afin qu'il soit faible. La Bible d'ailleurs le dit si bien en Éphésiens chapitre 6, versets 10, 11 et 12. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais nous avons à lutter contre les forces spirituelles qui sont dans les lieux célestes invisibles. La Bible catégorise les différentes forces auxquelles nous aurons à faire face. Nous avons les trônes, nous avons les autorités, nous avons les dominations et nous avons les principautés, ainsi de suite. Donc pour bien combattre un ennemi, nous devons connaître la nature de cet ennemi. Nous devons connaître le mode opératoire de cet ennemi. Et par-dessus toute chose, l'avantage du diable dans le combat que nous sommes en train de mener, c'est que nous ne le voyons pas, mais lui nous voit. Nous devons savoir de quelle manière nous allons le battre et comment tenir ferme, pas face aux différentes attaques qu'il est en train de nous lancer. Écoutez, nous devons d'abord catégoriser ou fixer les principes de base. L'homme, cet être que nous voyons, est divisé en trois parties. Nous avons l'esprit, nous avons l'âme et nous avons le corps. L'esprit a été créé par Dieu pour être en contact avec lui. Alléluia. Certains pasteurs ou certains hommes de Dieu l'appellent l'homme intérieur qui doit croître. Ensuite, nous avons l'âme. L'âme qui est la carte mémoire de l'homme. Là où on retrouve tout, les émotions, les passions, les souvenirs, elles sont dans l'âme. Tandis que la troisième partie, c'est le corps. Le corps, c'est cette enveloppe que nous avons, qui nous accompagne. Lorsqu'on voit Cyr qui est derrière la caméra, on dit « je vois Cyr », c'est parce qu'on voit son enveloppe. On sait le reconnaître à travers les traits qu'il a physiquement.
Dieu, lorsque nous nous mettons à le servir, nous obtenons le salut. Notre esprit est sauvé et devient un instrument par lequel nous entrons en contact avec lui. Mais l'âme n'est pas sauvée. L'âme a des passions. L'âme a des souvenirs. Écoutez, bien-aimé, quand on devient chrétien, ce n'est pas pour autant qu'on va dire « Je suis une nouvelle créature, j'ai tout oublié. » Tu vas te souvenir que la Simba existe. Tu vas te souvenir que la Skol existe. Pourquoi? Elle est dans la carte mémoire de ton être. Un pasteur m'avait même amusé et dit « Nenge bozawana, bozoye bate, ba hotel bo anoko takalavan boye ba yesu. » C'est dans le souvenir que nous avons. Nous ne pouvons pas l'ignorer. Elle est imprégnée en nous. Et cette âme doit être délivrée. Il y a des habitudes que nous amenons au Seigneur Jésus. C'est pour ça que le Seigneur dit « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés, et vous aurez du repos. » Le Seigneur faisait référence aux passions, aux désirs, à tout ce qui nous caractérise, que nous avons amené du monde avec nous. Et quand nous venons devant le Seigneur prend notre charge. Il nous délivre afin que nous puissions être aptes et promptes à les servir. La délivrance de l'âme est très importante parce que ce que nous ne combattons pas aujourd'hui va nous détruire plus tard. N'accepte jamais, me disait souvent mon père spirituel, n'accepte jamais de couvrir en toi les péchés cachés ou les désirs. Mais prends la peine de prier. Prends la peine d'invoquer le Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que tu négliges aujourd'hui, lorsque tu vas monter, lorsque tu vas grandir, ces histoires monteront avec toi. Elles grandiront avec toi. Et tu arriveras à un niveau tel que tu ne peux plus les détruire en toi. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, dans le Seigneur. Dans la délivrance, nous avons les portes que nous ouvrons. Je toucherai d'abord sur ce point-là aussi. Je fixe d'abord les principes de base. Il y a des portes que nous ouvrons nous-mêmes. À travers quoi? À travers le péché que nous commettons. Lorsque je commets un péché, je me mets en opposition par rapport à la parole de Dieu. Le diable sait bien me combattre à travers le péché que je viens de faire. Lorsque je marche en opposition par rapport à la parole de Dieu, qu'est-ce qui arrive? Je m'expose à la volonté des dieux. La protection du Seigneur me quitte et le diable a accès à ma vie. C'est là où nous disons que l'homme ouvre parfois certaines portes. Il y a des portes que nous avons ouvertes nous-mêmes qui ont permis au diable de venir dans notre vie et de s'y investir. Le diable, le principal instrument sur lequel il nous juge, s'appelle la parole de Dieu. Il vient devant Jésus-Christ. Il lui dit, il est écrit. Il ne lui dit pas, on m'a raconté. On m'a dit, non, il lui dit, il est écrit. Le diable, le cadre de référence dans lequel nous aurons à faire face à lui, c'est la parole de Dieu. Il n'ira pas en dehors de la parole de Dieu. Conséquence, le diable aussi connaît la parole de Dieu. Pourquoi? Afin de nous avoir. Il voudra te mettre en opposition avec la parole de Dieu, en impulsant en toi, lorsque tu ouvres une porte, quelque chose qui te poussera à commettre le péché malgré ta volonté. C'est ce que nous appelons la possession. La personne est possédée par un esprit et cet esprit le pousse à faire le mal. Pourquoi? Quelque part, il a ouvert la porte. Il a commis un péché et ce péché a donné accès au diable. Le diable sait travailler dans sa vie. Le diable rencontre Jésus-Christ. Il connaît bien la parole. Il maîtrise bien la parole. Il sait que Dieu n'est pas content lorsque son fils marche au travers de la part, en opposition avec la parole de Dieu. Tu verras, chaque fois, les nations païennes, quand Israël venait, ils demandaient toujours, de quelle manière peut-on empêcher Israël de passer par ici? Et vous verrez souvent, on dira, ils sont forts, on ne peut pas les avoir. Mais lorsqu'ils commettent un péché, la présence de leur Dieu se retire d'eux et ils deviennent vulnérables. Le cas de Moab, Moab envoie des femmes afin de faire tomber Israël. Bien-aimés, lorsque quelqu'un ne marche pas selon la parole de Dieu, l'une des conséquences est celle-ci. Il repousse les promesses de Dieu dans sa vie. Il ne devient pas un leader. Il devient quelqu'un qui devient vulnérable face à la main du diable. Le diable peut facilement bloquer les promesses de Dieu. Un exemple simple.
Israël vient de faire tomber le mur de Jéricho avec le Seigneur. Il se retrouve devant Aï, Aï qui est une petite ville. Josué se dit, c'est un petit combat qui ne demande pas que nous puissions engager toute la nation d'Israël. Réunis 3000 hommes afin qu'ils puissent attaquer Aï. Alors que, en Israël à l'époque, Israël avait touché à ce qui était voué à interdit par Akan, qui avait pris un manteau de chinéar, qui avait pris un lingot et qui a caché sous sa tente. Le fait que Akan, un seul, ait commis un péché a fait qu'Israël soit faible et que Dieu permette à ses ennemis agnata Israël. Nangina fongo la parenthèse, bro. Bien aimé, moi si na yo azokota jeune nanako. Azo sambela nzamba fongole la bino. Mais yo na se amutema, oyebi mabe o salaka. Conscient que tu es, ozota laye. Aibi sur habité, chéri mikolo yo, na na posa na ko tata na moi 3 jours de prière. Nzamba fongo la vie na biso. Tokende liboso, tokana tanate. Pendant que toi tu sais, tu connais les œuvres secrètes que tu es en train de faire. Écoutez bien aimé, le péché nous met en opposition avec Dieu. Le péché ne nous permet pas, ne permet pas à Dieu d'agir dans notre vie. Ne dis pas que Dieu ou le diable m'a tenté. Le diable ne tente pas. Le diable ne fera jamais un péché à ta place. La dernière chose à laquelle tu auras à faire face, c'est la volonté. Tant aux obimana, aux okende hôtel, ezara satan. Tant au lobagité, ton taxi express, et la ba vitre noir, c'est toujours Satan. Tant au bisifu en lobby, baromon abisso. Tala, zelangai, côté à la voix d'Isaïr, côté à RTNC, et zara à Satan. Tant au bisifu, matam bang, côté au baromon abissoté, et zara à Satan. Na taxi, wana ba chepenze mwanzambe. Papa Nabiso Patrice Azoué ma quelle est ta température? Azoué m'a dit Mwanzambe, et ça Satan. Dieu cherchera même à te récupérer. Rien. Au komina kouzouana bokoti. Au fongoli bouton liboso, et ça Satan. Non, bien aimé, toi c'est la Satan. Quelque part aussi, notre volonté est engagée. Écoutez, c'est pour ça que lorsque nous devons passer à la repentance, nous devons passer d'abord, nous devons passer par la délivrance, nous passons par la repentance. La repentance, en grec metanoïa, nous apprend à fermer les portes par lesquels le diable est entré dans notre vie, afin que Dieu soit fort. La repentance nous permet de renouer une alliance avec Dieu, afin que Dieu puisse être le Père. Écoutez, lorsque nous marchons avec Dieu, il y a deux choses qui nous accompagnent. Ou soit nous sommes des enfants, ou soit nous sommes des fils. Le fils, c'est celui qui a les caractères du Père. La Bible dit, tel il est, en Psaume 83, tel nous sommes. Dieu dit à Moïse, je t'ai fait Dieu. Écoute, lorsque nous obéissons à la parole de Dieu, Dieu nous donne sa nature. Tu te fais un combat aujourd'hui, tel que tu ne peux plus rentrer en arrière. Pourquoi? Tu marches avec des charges. Mais gloire soit rendue aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus t'envoie sa parole. La Bible dit en Psaume 119, verset 100 et 5, ta parole est une lampe pour mes pieds et une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu nous donne la révélation. La parole de Dieu nous donne le réma. Elle nous ouvre les yeux. Elle nous permet de comprendre par où le combat est entré, de quelle manière nous arrêter, de quelle manière arranger et réparer afin de mieux marcher avec Dieu. Bien-aimé, Tomiko Sate, on a beaucoup d'exemples dans les choses de Dieu. David, tout temps rare la Bible, tout temps abattu misouté. David, après avoir couché avec Bathsheba, il a fallu qu'il se repente. Il a fallu qu'il arrange avec Dieu, afin que soit Dieu de nouveau son Dieu. La repentance nous amène à appeler le Créateur par son nom, qui est celui Dieu. Tant au sali masum, nzamazan nzamba abattu misusu. Mais quand tu reviens vers lui, nzambe akomi nzambe nayo. Bien aimé, évitons d'ouvrir les portes à travers les péchés que nous commettons. La deuxième porte, c'est le péché que ceux qui nous ont précédés ont commis. Alléluia. Le diable souvent entre à travers le sang. Le diable a compris l'importance du sang. Quand un enfant naît, il reflète les caractères physiques. Il reflète les caractères même parfois spirituels de son père. Au monde, on va te battre les babies, mais on dit que tant que papa naît, il sera âgé. Avant de réfléchir, le colaï. Je me souviens, il y a 3 ou 4 ans, je suis à Lubumbashi, mes parents étaient là, on était avec mon épouse. On va les voir à la maison.
J'y vais avec mes enfants. Mes parents sont en train de voir leurs petits-enfants. Tant que mon abango, j'ai vu ma fille aînée Déborah, Afanina Mesa, Azolia, Mo a posé papa la question. Leur grand-père ne faisait que rire. Azo, mais cet enfant fait les mêmes choses que tu faisais à son âge. Je le vois même avec ma deuxième. Quand j'étais jeune, j'aimais parfois imiter les gens. Une fois j'entre un peu subrepticement dans la maison, je suis en train de voir ma fille au salon en train de m'imiter. Vous devez dormir. Elle est en train de faire ce que moi j'ai fait. La fin dit, Olena Silica, la fin n'a dit, moi non plus, la Ningako. Écoutez, les caractères physiques que nous héritons de nos parents, nous héritons aussi de leurs gènes, nous héritons aussi de leurs combats. Et ça, nous devons le comprendre. Le diable profite de ces portes que nous avons héritées de nos parents afin de s'asseoir et amener la bisso, agnata. La Bible dit, les parents ont mangé les raisins, mais ce sont plutôt les enfants qui ont senti l'aigreur du raisin. Il y a certaines choses que nos parents ont posées qui font que nous, aujourd'hui, nous puissions subir les conséquences. Et d'ailleurs, dans la Bible, il est écrit sur certaines personnes, vous vivrez ce combat jusqu'à la troisième ou à la quatrième génération. Bien-aimés, par rapport à ces choses, nous devons apprendre à les combattre. Je suis avec un enfant, Vinay Bando Simbate. On était à Lubumbashi à l'époque. Tosambeli, Makambozo Simbate. Écoutez, la cure d'âme est nécessaire. Tu es comme devant un médecin. Et ce médecin cherche à découvrir par où le combat est entré. Je pose la question à ma fille. Je lui dis, ma fille, dis-moi d'abord, est-ce que au Salakaboy, tu es baptisé? Elle me dit, oui, je suis baptisé. Est-ce que tu as déjà... Oui, papa. Est-ce que tu offres? Un médecin cherche à connaître par où le mal est entré. Les médecins savent de quoi je parle. Lorsque vous avez un patient en face de vous, vous faites ce qu'on appelle l'anamnèse. On cherche à connaître la source. Quel est l'élément qui a provoqué la maladie dont tu es en train de souffrir? Alléluia. Moi, Nayebi Singalobi, papa Makambounyonso, Ezamalam. Je suis entré en prière. On a cherché la face de Dieu. Toi, découvrir Elokomoro, Nakatia Vinae. Sa grande sœur s'est prostituée afin de les payer les études. Bien-aimé, Mbongo Oyo est outil na prostitution. Mbongo Oyo est na origine yamabe et au sunga mutute na vinaye a évolué. Na fongo les parenthèses yamibale. Bien-aimé, les principes de Dieu sont basés sur des choses justes et non sur la saleté. Soki papa na yo aï barambongo na musala. Aïe pesa po botongandaku. Ou bien aïe pesa yo po bala na mbongwana. Mbongwana est en origine yamalamute. Cet argent, au lieu de te bénir, cet argent est en train de te maudire. Si ton père était un occultiste, si ton oncle était un occultiste, mbongo na ye ya soloka, ezole sabino, ezo sungabino, sachez que tangubokola, par rapport à votre destinée, cet argent qui est basé sur un sacrifice de sang va réclamer toute votre vie. Ça, il faut le comprendre. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Le péché reste le péché. Nous ne leur donnerons pas une coloration. Aujourd'hui, nous n'enseignons pas à nos enfants certaines choses. Yangwana na biso, bakumoyo kisabiso soni. Yo morona no zawana, ozakambiste, oyebi ke to ezana 20 et demi par exemple. Mutoyé, aname conscience, ozuyé, opese na 19500, ofani olobi te to yangwana. Et dimanche tu vas à l'église, tu te mets à prier, nzambe sungangai, Dieu ne te pardonne pas. Écoutez, il y a des péchés pour lesquels vous devez faire réparation. Zacheta ngoyaki liboso a Yesu, asalaki réparation, asengi pardon, alobi na yibaki, na salaki boye, et tout cet argent là, il l'a pris, il l'a donné à Jésus-Christ. C'est ça la parole de Dieu. Nous n'allons jamais altérer. Tant que dans ma Bible, il est écrit que le péché est péché, je veux prêcher le péché. Je veux te dire, tika masumu, afin que nzamba pamboma na vinayo. Aujourd'hui, beaucoup de gens souffrent par rapport à de tels comportements. La fille a ibsinga abi papa. Grande sœur Nabiso,
mbongo na mono fute la ngo kelasi ezaki mbongo oyo abanda ko kende soki azongi nde atine linga mbongo la fute kelasi un argent qui a une origine sale aussi si osa diplômé osa licencié et tu veux que na diplôme wana okene na ngo na musala ba pesa yo boulot est-ce que tu ne sais pas que cet argent là va commencer à te réclamer le diable cherche des occasions par lesquelles il va te réclamer afin que tu puisses souffrir. La sœur n'a posé aucune action. C'est sa grande sœur qui a posé l'action. Elle est réclamée à travers le diable par les actes posés par d'autres personnes. Oza bandi, kuluna, na lubumbashi na katanga, ozo kote la bato na bandaku, na kisasa awa bo enlevé. Mbongo wano zui, ozongi na ngon na ndaku bien aimé, opesipe mwasi, chéri ya ngoyo, bobo melaki na ngon moutou na boutou. Alléluia. Bosalaki moutou mabe na boutou. Mousou bobo mi mwasi na e, bo viole pe likolo. Et tu veux que cet argent-là puisse bénir ta maison. Bien aimé, sache une chose. Un jour, cet argent-là réclamera tes enfants. Tu penses aimer tes enfants en posant de telles actions, mais un jour, ils vont te détester. Pourquoi? Tu as ouvert une porte de combat dans leur vie. Sur cette terre, la Bible dit en Exode chapitre 8, verset 23, en Genèse, « Tant que la terre subsistera, la loi de la moisson et de la semaille subsistera toujours. » La deuxième porte, c'est celle-là. Je chute par la troisième porte. La troisième porte, c'est une porte que Dieu ouvre lui-même dans notre vie. Alléluia. Ouanez elles sont dotées. Dieu nous fait passer par des épreuves afin que nous puissions être brisés. On ne devient pas chrétien sans pour autant être brisé. Vous savez, lorsqu'un orpailleur est en train de travailler l'or, l'une des caractéristiques qui lui montra que l'or est pur, c'est quoi? C'est lorsqu'il va regarder à l'intérieur de l'or. Son reflet se fait voir dans l'or. Il se dit, ah, à cette seule condition, je peux dire que l'or est pur. Dieu peut nous permettre de passer par le feu afin d'être brisé, afin d'être prêt, afin d'être prompt pour le servir ou pour la mission à laquelle il nous appelle. Écoute, chez Dieu, il n'y a pas de cycle court. Chez Dieu, il n'y a pas de repêchage. Sur un raté examen, Ozong et Langokaka, je parlais dernièrement à une fille qui est à l'extérieur du pays. Elle me dira ceci, « Papa, j'ai fait 5 ans avec le mari d'autrui. N'a préféré Natika. N'a mon grana zongelaye. Papa Poyonzambe. Osalaka. Je lui ai dit, ah, tu as pensé que mafuta oyozozanga. Ou tu as pensé que unité oyozozanga. Tu pouvais le contourner en faisant autre chose. Mais par-dessus le marché, au lieu obima, na relation yango, na mote mezakimia, obimi na bitumba msusu, pona nini, mwasi ya mubali wana, butu nyon so bandayi kolela, azole la lobin zambe, mubali na ngaye, oya zoboto la ngaye, modirie, tu viens nous donner encore une charge à l'église. Nous découvrons qu'il y a 3 sortes de combats. Celui que le diable amène dans notre vie, celui que nous avons ouvert à travers notre comportement. Et je ferai une incise à ce milieu. Bituma oyo fongoli kolega na comportement na yo. Nzamba kolimbisa yo, mais tu vas payer. Les conséquences restent attachées à ton corps. Ozu mubali abatu, osali ekobo, oyibi, bien-aimé, soki ozu sida, soki bakati lokolo. Nzamba kolimbisa yo, mais tu subiras. Les conséquences vont te rester sur le corps. En ce dimanche, je viens vers toi. Je sais que nous allons monter encore. À travers ces enseignements, nous sommes en train de parler de la mission, de la marche avec Dieu. Si tu te découvres un comportement, nous sommes là à ta disposition. Le téléphone s'affiche en bas de la page, c'est le 081 331 4707. Appelle-nous, nous allons échanger avec toi. Nous allons découvrir par où le combat est entré. Et nous allons faire ensemble avec le Saint-Esprit une action afin que Dieu te puisse déclarer aux la libre. Mais le plus important, c'est que Dieu te libère. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. L'importance de la parole, elle éclaire notre esprit. C'est ça la délivrance. Et notre esprit découvre par où nous avons ouvert la porte à l'ennemi afin que le Seigneur Jésus vienne entre et remette la loi du commencement. Parce qu'il dit ceci, toute plante qui n'a pas sémé mon Père sera déracinée, ôtée et jetée au feu. Bien-aimé là où tu es, mets-toi à genoux. Ou bien ferme les yeux pour que nous puissions prier ensemble. Tendre Père, je viens vers toi. Je t'amène mon fils. Ton fils qui s'était perdu.
ton fils qui s'était égaré. Éclaire son intelligence afin qu'il puisse découvrir par où le diable est entré. Quel que soit le péché qu'il a commis, la Bible dit, venez à moi, rentrez à l'Éternel, notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Il dit, même si vos péchés étaient rouges comme l'écarlate, ils deviendront blancs comme la neige. Seigneur, je comprends une chose, et je l'ai toujours dit et répété, ce n'est pas toi qui te fatigue de nous pardonner, mais c'est nous qui nous fatiguons de te demander pardon. En ce dimanche, nous venons vers toi. Daigne nous pardonner. Aie pitié de nous. Nous voulons commencer à nouveau de part avec toi. Et Seigneur Jésus, illumine notre intelligence afin que nous puissions connaître par où le combat est entré et que nous puissions briser la source afin que nous puissions être bénis. Donc, je te recommande la semaine qui commence. Je te recommande toute leur maisonnée. Et je demande, Seigneur Jésus, que ton nom soit une source de bénédiction et nous ouvre les portes. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Sois béni, bien-aimé, et que la paix du Seigneur t'accompagne là où tu es. À dimanche prochain.